Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 23e jour de l'aventure réveil à Marrakech. Je ne parle pas trop fort, il est très tôt. Oui, il est très très tôt, ça pique un petit peu le réveil ce matin. Marrakech est en train de se réveiller tout doucement, il y a le coq qui chante derrière. Il est tôt les amis, puisqu'aujourd'hui on a décidé de faire une excursion en dehors de la ville. Hier on a glané à droite à gauche quelques informations, et puis finalement on a décidé d'y aller par nos propres moyens. On aimerait aller dans le petit village d'Imlil, ça se trouve dans une vallée, apparemment c'est magnifique. J'ai regardé, c'est à 65 km de Marrakech, mais apparemment il y a des grands taxis qui y vont. Donc on a repéré la station de taxi, voilà, on va essayer de prendre la direction aujourd'hui d'Imlil. Je vous donne un petit peu plus d'informations une fois qu'on sera arrivé sur place, parce que vous l'avez compris, je suis pas encore très très bien réveillé. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans la campagne autour de Marrakech, direction Imlil. Avec 70 étudiants ont rejoint l'EMSI dans son premier campus. Super gentil. Bye bye. Bonjour Madeleine. Je vais le mettre dans ma vidéo, ça Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Ça va? Non. Pourquoi ça va pas? Est-ce qu'il est tôt? C'est tôt, oui. Écoute, on est dans le taxi, tu peux dormir Madeleine. Il y a 1h30 de route, 1h30 de route. Nous allons? Nous allons aujourd'hui à Imlil. Ah oui. Moi je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Village, montagne, le calme, la zénitude de la nature. Voilà, c'est le programme pour aujourd'hui, ça te va? Oui. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Faut que ça mousse, Madeleine, faut que ça mousse. Voilà. Imlil. Oui. Première impression? Super calme, peaceful. Peaceful, c'est calme, ça a l'air zen, hein? L'air fraîche. L'air fraîche, ouais. L'air est très fraîche. Et on vient de se commander un petit thé en terrasse. Un t-shirt comme la plage, un t-shirt est prêt pour la plage ou la danse. Moi je l'adore cette chemise, je la trouve super sympa. Je l'ai achetée en Indonésie il y a 4 ans maintenant, je crois, à Yogyakarta. Et Madeleine, elle se moque de ma chemise. Tu viens de commander quoi, Madeleine? Il y a deux choses dans le menu. Ouais, et je prends ça, lentilles. Lentilles, ouais. J'aime beaucoup les lentilles. Avec le petit pain et tout. Bon appétit, Madeleine. Oui, ça y est, nous sommes arrivés à Imlil, les amis, et la première impression, ça me plaît beaucoup, c'est charmant comme tout. Bon, d'abord, on a un magnifique ciel bleu avec le soleil. Là, on est à l'ombre sur une petite terrasse d'un café. Il y a plusieurs cafés là dans le centre du village. Ça a l'air vraiment zen, hein. C'est vrai, hein. Le trajet déjà, c'était magnifique là. Toutes les montagnes qu'on a vues, quelques villages comme ça accrochés sur les montagnes. Alors, quelques informations pour venir ici. Je vous l'ai dit ce matin dans l'introduction. Les agences de voyage, c'est pas ce qui manque à Marrakech. Donc, on s'est renseigné un petit peu pour faire une excursion pour venir ici. Bien sûr, ils proposent tout type d'excursions avec la bouffe, sans la bouffe, juste le transport. Avec un guide, sans guide, juste pour le transport, c'est-à-dire pour avoir une voiture privée juste pour nous, pour venir ici, rester un petit peu et puis repartir dans l'après-midi, il demandait 100 euros. On a été dans plusieurs agences, il demandait 100 euros. Évidemment, on trouvait ça un petit peu élevé. Puis hier soir, on a parlé avec Mohamed qui est le manager du Riyad où on loge. Franchement, il est excellent. Voilà. C'est une crème, Mohamed. Et fait, écoute, moi je vais te parler comme un frère. Tu sais quoi? Il y a des grands taxis qui vont à Imlil. Il y a une station de grands taxis un petit peu en dessous, la place Jama El Fna. Tu vas là-bas, si tu négocies, tu arriveras à trouver à 250 allées, enfin en tout cas
500 dirhams aller-retour, ce qui fait 50 euros. Quand on est arrivé, j'ai donc demandé à un chauffeur de taxi, il me fait « Ah, c'est 600 l'aller-retour, on reste sur place, on vous attend et vous rentrez en milieu d'après-midi. » Je fais « Ah ouais, 600 ». En fait, on n'a pas vraiment négocié, j'ai juste dit « Ah ouais, 600 ». Il fait « Bon, 500, ça vous va ? Allez, 500, vendu, let's go ». On lui a donné rendez-vous à 15h30 ici, donc voilà, on a une petite partie de la journée pour explorer tranquillement le joli village d'Imlil. Pour l'instant, on va prendre notre petit déjeuner omelette lentilles tranquillement sur cette jolie terrasse. Alors, le temps que je parle à la caméra, bah, il n'y avait plus de lentilles. C'est passé quoi avec les lentilles, Madeleine ? J'ai dit, mange aux premières. Ah, autrement, je mange tous. Fallait que je mange en première ? Bon, il me reste un petit peu d'omelette quand même. Je goûte les lentilles. Ça sent bon. Ah oui, en effet. Je comprends pourquoi tu as mangé toute l'assiette. Là, c'est vraiment bon. Tu peux me montrer l'addition ? Show me the bill. 35 dirhams, la théière bien pleine, omelette, lentilles, c'est parfait, c'est royal. Deux plats de lentilles. Ah, deux plats, oui, on en a pris deux, dans un cadre très très agréable. Rox, rox, rox. Celui-ci avec des figues. Ouais. Oui, d'accord. Figues, les amandes. Cacahuètes, amandes. Cacahuètes. Graines de sésame. Et ça, c'est un linsit, le la. Celui-ci, c'est quoi ? Le la. Le la. Mmm, I will smell it. Okay, I want one like this, one like this. Finish. You want one? Thank you.
Parfait. Merci beaucoup. Ok. Plus haut de toi. Merci Madeleine. De rien. La balade est fantastique. Superbe paysage. La première partie jusqu'aux cascades, on a longé la rivière. On a vraiment pris des petits sentiers, il n'y avait personne. Pause tranquille à la cascade, petit verre de jus d'orange. Et puis on a grimpé encore un petit peu pour arriver dans le village de Hamroud. Ou Mroud, Hamroud. Quelque chose comme ça. On a un point de vue magnifique là sur les montagnes à côté. On s'est trouvé, c'est pas vraiment un café, c'est plutôt une auberge. Mais ils nous ont dit, ouais, pas de problème, installez-vous. Ils pensaient en fait qu'on venait pour dormir. On fait, non, on veut juste boire un petit thé. Salut Bobby, ça va? Ça va Bobby? Oui. Petit sandwich en préparation, tomates, oignons, ouais, de l'ail, cumin, du sel, ça sent déjà très très bon. Un peu d'huile. Et la viande hachée. Regardez-moi la beauté de ce sandwich. Pommes de terre, viande hachée, persil, ail. Hamlou. Amande. Huile d'argan. Huile d'argan. Miel. Miel. Le Nutella marocain. Le marocain. Ah, merci, c'est gentil. Je prends une autre boutique. Ça va, Saïd? Ah oui. Allez, c'est parti? Inch'Allah. Assalamu alaikum, Hajj Ibrahim, wa bi khair. Ils sont stylés. C'est les conseils de la monsieur. C'est très joli. Ouais, ils sont pas mal. Oh, oh, hola.
un petit Hawaï tropical comme ça au coucher du soleil sur la terrasse de l'hôtel, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. J'ai adopté cette boisson, hein. J'en ai bu pas mal déjà depuis que je suis arrivé au Maroc. Je filme pas tout, en tout cas je vous montre pas tout ce que je bois. Petite boisson pétillante, coco, passion, orange, c'est vraiment pas mal. Sinon, excellente journée dans le village d'Imlil, on a adoré vraiment tout. La montagne, la campagne, les gens, la bouffe, tout ce qu'on a mangé là-bas, c'était excellent. Les lentilles ce matin au petit déjeuner, elles étaient délicieuses. Et le sandwich qu'on a mangé ce soir-là, le monsieur, on a vu son petit truc, c'était bien tenu et tout. C'était vraiment très sympa le monsieur, et surtout c'était très bon ce qu'il a cuisiné. Le sandwich, viande hachée, oignon, ail, pommes de terre à l'intérieur, le combo parfait, c'était excellent. On a payé 45 dirhams pour les deux sandwichs avec un coca, c'était une tuerie. D'ailleurs, c'est très 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 bon sandwich, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Anne, Senier, Arnaud, Azemar et Yad. Yad, c'est Yasmine. Yasmine, vous la connaissez peut-être, je la suis sur Instagram. J'ai déjà partagé plusieurs de ses stories. Cette fille, elle est trop cool et elle voyage pas mal. On s'est rencontrés une fois l'année dernière à Istanbul. On est passé un petit moment ensemble, évidemment, à parler voyage. Allez suivre sa page sur Instagram. Franchement, Yasmine, merci du fond du cœur. Et merci à Anne et Arnaud. Merci à vous trois pour votre soutien. En fait, c'était une excellente journée jusqu'à ce soir, jusqu'à temps qu'on revienne à Marrakech. Je vous explique pourquoi. J'ai un petit peu le seum, comme disent les plus jeunes. On est parti d'Imlil, on a repris notre taxi qui nous attendait, qui a attendu toute la journée, Saïd, qui était très sympa. Il nous a ramené sur la place Jama El Fna. On voulait faire un petit peu de shopping. Enfin, Madeleine voulait faire un petit peu de shopping. On a été à la banque pour retirer de l'argent. Madeleine a fait deux retraits à la suite. Ça a très bien fonctionné. Même distributeur, j'arrive avec ma carte, je tape le bon code, je connais mon code par cœur. Et là, l'écran, veuillez patienter, nous traitons votre demande. Vous connaissez comment ça se passe. Donc vous êtes là, vous attendez. Et puis au bout de quelques secondes, quand même, on se pose des questions. Vous savez, hein, quand on est face à l'écran, on dit bon, c'est un peu long. Puis c'est un peu long. Alors on patiente. Je patiente, une minute passe, enfin le temps est toujours très long quand les billets sortent pas, hein. Quand on attend l'argent, on se dit voilà, faut que ça vienne. Et en fait rien, et à un moment l'écran disparaît, je sais pas, on est resté quand même un bon moment devant, donc pas d'argent et pas de carte. En fait la carte a été avalée, et j'ai reçu une notification de ma banque comme quoi le montant avait bien été débité. Je suis chez N26 d'ailleurs, N26 banque en ligne allemande, dont je suis très très content. Donc pas de carte, pas d'argent, c'est super, j'ai plus de carte bancaire. Alors heureusement je voyage avec deux cartes bancaires, j'ai ma banque principale, mais c'est vrai qu'en voyage j'utilise uniquement N26, hein. C'est une carte qui est vraiment faite pour les voyages. Alors évidemment la banque était fermée puisque nous sommes vendredi aujourd'hui. Il y avait un petit numéro de téléphone en dessous. J'ai essayé d'appeler, ça ne répondait pas. Par contre, petite précision, j'ai reçu une notification comme quoi le montant avait bien été débité. Et puis quasiment une minute après, j'ai reçu une nouvelle notification pour m'indiquer que le montant avait été recrédité, ouais, c'est ça. Voilà, bah ouais, j'ai le seum, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais c'est pas grave, il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie. Ça va pas nous empêcher d'aller manger pour terminer cette belle journée. Madeleine, oui, t'es prête pour manger de la tête de mouton? Oui, tu peux goûter tous dans ta vie, comme ça, oui. Ah oui, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que c'est, ça et ça? La langue, peut-être. Puis il y avait une moitié de tête, il a tout coupé, donc il y a, voilà, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a la langue, les joues. Il y a pas mal de choses. Le pain, il l'a imbibé dans une espèce de sauce. Alors ce petit morceau, ça m'intrigue un petit peu. Je sais pas si c'est la langue. T'es déjà la menthe? Tu tiens la menthe? Là j'ai un morceau de narine. J'ai l'impression que c'est la bouche ou la narine du mouton. Ça a l'air pas mal. C'est Marrakech, c'est Baro. Baro. Baro, Baro, Baro. Ah, la cervelle, les abats, le cœur. C'est quoi ça ici? C'est la sauce? Ça c'est la sauce. Ça c'est... l'huile, le gras, la graisse. Ouais, la graisse. La graisse, c'est ça, la graisse. Le thé à la menthe ici, bien sûr, évidemment. Oui. Merci, mon ami. Et ici, la tête de mouton. C'est fini. C'est fini, ça y est, la journée est finie. Ouais, c'est fini. C'était une bonne journée. Ouais.
C'était une bien belle façon de terminer la journée avec cette tête de mouton. Je valide totalement. On a payé, alors il n'y avait qu'une assiette, hein, une assiette avec plusieurs morceaux de pain, avec un coca pour Madeleine, un thé à la menthe pour moi. Ça coûtait seulement 35 dirhams, 3,50€. Le gars était super cool. Il fait ouais, vas-y, filme et tout, il n'y a pas de problème. Et c'était vraiment excellent, on s'est régalé. Demain, les amis, le programme il est encore incertain. Je vais essayer de récupérer ma carte bancaire. La banque ouvre demain matin seulement à partir de 10h. Donc on va probablement faire une petite grasse matinée, profiter. Ah oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, c'est que normalement, demain, on devait partir. On a réservé des bus. Je sais pas si on pourra échanger les billets, ça m'étonnerait. Je vais regarder rapidement ce soir. On devait partir demain matin à 8h. Donc voilà, soit on va rester ici toute la journée à chiller, rien faire. Donc probablement que je ne filmerai pas. Ou alors on essaye de partir, mais on avait quand même pas mal de trajets. Voilà, même si on part, la journée risque d'être longue. Donc je sais pas, voilà, s'il y aura une vidéo demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.